wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, fidèles abonnés de Gamma de TV, merci de rester fidèle à vous-même. Car oui, vous avez fait le bon choix en vous abonnant sur la chaîne Gamma de TV. Alors, bienvenue à vous à l'interview. Aujourd'hui, nous serons avec un homme assez dévoué. Mais, mesdames et messieurs, je vous laisse la latitude vous-même de le découvrir. Et ce sera juste après ça. Gamma TV, la télévision au cœur de vos actions. Fidèles abonnés de Gamma TV, comme je vous l'avais dit, nous sommes avec l'homme en question. Alors, sans plus tarder, nous allons lui poser les questions que vous voulez savoir, n'est-ce pas, chers abonnés de Gamma TV? Pour cela, restez connectés et surtout n'oubliez pas de partager massivement les vidéos. Alors, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Alors, vous allez nous dire comment est-ce que vous vous appelez, votre nom à l'état civil? Je m'appelle Cissé Mamadou. Cissé Mamadou. Oui. Alors, vous avez une organisation. Oui. Et le nom de votre organisation? C'est Ivoire Bazin. Ah, Ivoire Bazin. Ah, oui. Vous êtes le fondateur de Ivoire Bazin. D'accord. Je crois que vous avez plusieurs façons de baser à nous présenter. Oui, quels sont alors les produits que vous présentez à vos clients qui viennent d'ici là? Nous avons les basins teintés, les couleurs blanches, industrielles. On a toutes sortes de basins. Hein. Les mariés, on a toutes sortes de basins. D'accord. Mais dites-nous, est-ce que très souvent vos clients sont satisfaits? Très, très satisfait. C'est notre priorité, c'est notre slogan. Vous êtes sûr? Vous satisfaites notre priorité. C'est notre slogan. Ah, vous satisfait? Notre priorité. Vous êtes sûr que les clients sont satisfaits? Toujours. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ferai partie de vos clients. Donc, bref, des auditeurs. Pas de problème. Alors, comme on le disait, vous êtes à l'interview. Interview de Gamma de TV. Et vous avez dit que vous présentez plusieurs sortes de basins, plusieurs sortes de en tout cas, de véritables basins. Et nous sommes à l'approche déjà de la Tabaski. Comment ça se passe ici? Oui, ça se passe bien. Les clients commencent à venir beaucoup, massivement. Les massivement? Clients, oui, massivement. Ah, c'est qu'il y a l'argent. Ah oui. un peu. Les clients commencent à venir. Ah, d'accord. Et quand on entrait tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'il y avait une augmentation. Est-ce que cela est-il vérifié? Oui, c'est le plus augmenté. Actuellement même, ça manque. Gaznay manque actuellement. Mais c'est dû à quoi? Bon, c'est pas c'est dû à... Bon, c'est dû à la fête. À la fête? Ah oui, il y a une forte demande. Ah, d'accord. Oui, donc ça manque. Ah, d'accord. Mais ça vient bientôt, ça vient. Inch'Allah. Donc nous autres là, quand vous allez diminuer, nous allons une pointe. Non, dès la semaine prochaine même. Venez massivement au magasin. D'accord. Il y a des nouveautés. Ah, d'accord. Ouais. Comme on le dit, en moyenne, si vous pouvez, si ce n'est pas trop indiscret, nous dit votre chiffre d'affaires. Dans le mois, vous pouvez avoir comme bénéfice combien? Tiens, oui. Donc on ne peut pas parler de ça un peu? Non, non. Ah, d'accord. Non, j'ai choisi vos basins parce qu'ils ont la bonne qualité. Les basins, c'est le meilleur. Quand je sais, mes clients, ils sont satisfaits. Voilà pourquoi j'ai choisi vos basins. Et je continue de travailler pour toujours. Mes uniformes, mes commandes de Ramadan, Tabassi, mes enfants, moi-même, ma famille, tout le monde. Tout le monde est satisfait en tout cas avec Ivoire Basin. Non, non. Il voulait voir ça pour la photo, moi, envoyé. Voilà. Ah, une femme d'Intania? Non, non, les compliqués. D'accord, pas de problème. Donc, je vais Jésiné, complétant. D'Intania. Là, t'es là. D'accord, c'est le droit photo, oui, ou non? Ah, oui, pour là-bas. Quand tu connais, c'est Ivoire Basin. Donc, vous satisfaites notre priorité. Chap, chap, le verre. À quel jour? Ici, c'est Ibrahim, le petit frère du PDG Ivoire Basin. Donc, on est là pour vous satisfaire. Comme il a dit, notre priorité, c'est de vous satisfaire. Voilà, Inch'Allah. Donc, venez, on est là pour vous. Vous serez satisfait, Inch'Allah. Comme vous le dites, alors, on va faire un peu plus sérieux. Ouais. Quel mot vous pouvez dire à la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui devrait
se baser sur les facilités. Le conseil que j'ai pu donner aux jeunes, c'est d'entreprendre. D'entreprendre. Ouais, c'est ça. Nous tous, on était à l'école, on a fait madrasa. Hein. Ah, donc, ok. Donc, à la fin, on a cherché, on a grouillé un peu jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. Alhamdulillah, on est un peu. Alhamdulillah. Mais c'est très rare de voir un élève de la madrasa en train d'entreprendre et puis dire ça comme ça à la jeunesse d'aujourd'hui. Nous, on a venu chercher bleu. J'ai fait anti-barrage, tout ça là. Quand on quittait à l'école, les vacances, pendant les vacances, on faisait chercher bleu. On a venu pimpin. Comment on appelle ça? Les ballons petits gonflables pour les enfants. Différents. Waouh! Wow. un peu. Ceux qui me connaissent, je n'étais pas là. J'étais au Petit Lomé. Maintenant, je suis à la Roxy. Au Petit Lomé, c'était un petit magasin. Il pesait 4 mètres carrés, 2 mètres carrés comme ça. C'était pas grand. Mais un peu. Le truc, ça a grandi. Il faut toujours croire à Dieu. En Dieu. Voilà. C'est le plus important souvent. Ouais. Alors que c'est votre slogan vous-même. Vous-même, votre propre slogan. Je n'ai pas dit le slogan de Ivoire Bazin. Non, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Il faut avoir peur de Dieu. C'est cela. Parce que Dieu dit, comment il y a ta crainte d'Allah, il y a de Allah, vous m'accrayez. Allah Akbar. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Enfants, l'argent, tout. Alors, merci infiniment, monsieur. Merci, madame. Fidèle, abonné de Gamma TV. Nous étions avec le fondateur de Ivoire Bazin dans notre émission L'Interview. Eh bien, j'espère que vous avez suivi et que vous avez aimé. Et n'oubliez surtout pas les conseils qu'il vous a donnés. Car, comme on le dit très souvent, fermez les yeux, regardez dans le rétroviseur, regardez ce que vous avez dépassé. Regardez ce que vous avez dépassé pour en arriver là aujourd'hui. Et ouvrez justement ces yeux-là aujourd'hui et regardez autour de vous. Dites tout simplement « Alhamdulillah » car là où vous êtes aujourd'hui, Dieu, il est avec vous. Alors on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de L'Interview. Assalamu alaikum.